Derrière les micros, je peux pas faire. Derrière les caméras, j'ai un bouton pour essayer de baisser un peu, on verra ça. Bon. Ouais, c'est vrai que. Non, Ludo, touche pas, hein, niveau fréquence, c'est bon, hein. Ça pourrait être beaucoup pire. Par rapport à avant, on avait cherché, on prenait le rite des caméras, il fallait tourner à gauche ou à droite. Mais après, c'est pas grave, c'est pas trop gênant. Allez, à toi, Angèle, vite tourner. Ok, c'est un problème. Oui, donc je disais, alors Ludo, alors moi, alors si tu te demandes aussi, ça y est, moi pour entendre Ludo, je l'entends très très bien sur le 27-49. 27-49, je peux pas aller plus loin, désolé, j'ai pas de... 49 sophistiqué que vous autres. Stéphane, toi, je suis obligé de monter entre 27-50, 27-51. Par contre, Eric, j'ai vraiment rien à dire, sans avoir à toucher... Tu m'arrives plein pot, donc est-ce que c'est moi qui suis mal calé, est-ce que c'est moi qui n'arrive pas bien calé mon poste, je ne sais pas. Eric, donne-moi. Attends, je vais relaisser le micro à Philippe, qui va me dire comment il me reçoit. Moi, Philippe, je le reçois bien aussi. Et après, il relaissera le micro à Eric. Moi Eric, tu m'arrives plein pot. Très bonne radio, impeccable. Ludo, un petit peu décalé à 27-49. Stéphane, c'est bizarre parce que d'habitude je suis pas obligé de décaler. 27-51. Quoi toi Philippe? Ok, je touche pas mon clarifier pour toi. Pour moi t'es décalé quoi. Hein. Voilà. Il n'y a que Ludo qui est vachement dans les graves au niveau radio et ouais, Stéphane qui l'a exécu. Mais autrement pour moi, ils sont pas trop mal calés. Très bien, voilà. Allez, fais tourner, Stéphane, je vais faire une café. Ok.
Prêt de retour. Prêt de retour, si t'as. Mais moi, je demi-digite, ça revient. Demi-digite, putain. Ah, ça me rajeunit. Allez, de retour à toi. Merci pour ton micro, t'as un AVHC, à Max Auto, à Châtellerault, en Brésil, c'est quoi, c'est Châtellerault Sud, là, à côté d'Auchan. Il y avait Max Auto à l'époque avec du Vivatos, Sibi, la classe quoi, c'est vrai. Nous, on a changé la prise de micro parce que c'est la marque Sibi pour les deux, donc il est juste à brancher ce marque tout de suite, pas de prise de tête, pas de rassouler. Je sais que les gens ont les compétences pour repérer. J'ai un chevron en panne, Ludo. Ah, mais je trouve rien. Tu sais, je
sur Eric, j'ai appuyé hier dans le matin. Monsieur Angèle est équipé TNR, voilà. Avec, je lui ai passé mon Benfen, voilà. Mon petit Benfen, quand j'ai repris la radio, c'est Angèle qui l'a maintenant, et à lui, je lui ai fait cadeau. Pas cadeau, c'est que, voilà, c'est un compromis entre lui et moi, on s'est compris. Donc tu risques d'entendre Monsieur Angèle sur PMR, mais bon, il n'a pas l'indicatif, il faudrait qu'il prenne l'indicatif. Bon, je reprends. Ouais. Bah, c'est bon, je reprends. Ouais, merci Stéphane, je ne voulais pas en parler là-dessus. Je voulais pas en parler, comme on a dit tout à l'heure. Donc je te remercie encore pour ce que tu m'as donné. J'espère que ça fonctionne chez toi aussi. Donc mais le petit PMR, là, bah, écoute, là il a charge. Je vois que le petit voyant est vert, donc ça veut dire qu'il est chargé. Là-bas. Et mais la petite soudure, le petit truc que tu m'as dit, qui décollait, qu'il fallait secouer la nouille là, pour que ça charge. Ça y est, c'est réparé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai secoué la nouille, oui, c'est ma femme. J'ai secoué la nouille pour que ça y charge. On a essayé de te contacter tout à l'heure, mais ça ne voulait pas marcher. Et mince, j'étais avec qui là tout à l'heure, rappelle-moi après, tu me diras, tu reprendras le mic, Stéphane. Notre ami la station là, qui est au pied du pont d'Aquitaine, qui m'entendait plein pot, enfin plein pot, qui m'entendait bien. C'est déjà pas mal pour le petit appareil que j'ai là. À toi Stéphane. Ok Stéphane, car pour moi c'est Claude, Eric que je connais bien. Moi aussi je le connais, il y a très très longtemps je le connais depuis quand j'habitais pendant ça, RJC 294 je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, ouais je connais. Ah, très sympa, c'est un très QRO, il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un de très très sympathique. Ouais, bon, tant mieux. Moi par contre, moi avec l'antenne de fixe, que dalle, hein. Même sur on est passé QSY6, ouais, j'étais chez moi, c'est un QSY canal 6, je te sors pas. Mais je te passerai parce qu'il me sert plus moi. Le truc que Eric m'a fait acheter là, Eric il va comprendre, j'ai envoyé un micro à Eric, après il va tourner. L'adaptateur qu'on met au-dessus de l'antenne pour passer sur une PL259 et après tu mettrais une antenne extérieure. Là où je t'ai fait voir sur le pylône, tu m'as compris, mais après ça passera mieux. Tu vois ce que je veux dire au niveau de la PL. Je rends le micro sur Eric, retour. Ouais, ok, pas de soucis. Mais à la limite, ton poste là, mets-toi sur le canal à la limite, je vais t'appeler pour voir. Alors attends, je vais l'allumer. Ouais, mais par contre, Stéphane, il voit où j'habite. Alors attends, il faut que je vois en fait comment l'allume, voilà. Canal 8, il est sur le PMR8, et dessous, j'ai rien touché. Alors par contre, il faut que je sorte de mon truc là. Tu te mets dehors, Minou ? Quoi ? Écoute, voir si t'as dedans, Eric. Mais parce que là, ça passe, non, si jamais, écoute, viens là. Ouais, si tu viens dehors, si jamais tu es là-dedans, comme t'as dit, tu réponds. Mais appuie ici comme un talkie-walkie. D'accord. On va voir si ça marche. Il va te mettre dehors parce que là ça fait cage de parader. Mais vas-y Eric, ma femme se met dehors de mon lambris à pied atomique là. Ouais, mais il y a du monde sur la fréquence. Il y a du monde, il y a une grande chance sur la fréquence, ça va être dur là. Mais pour vous, canal 7. Ouais, Angèle, mets-toi canal 7, en PMR, en bas du bouton que tu fais voir, tu te mets canal 7, Angèle. Ouais, attends, je vais chercher ma femme, elle est dehors, là, t'as pas. Je reviens dans 30 secondes. Ouais, canal 8, sur le canal 8, il y a du monde. Tu me dis quand ils sont opérationnels? Ouais, je sais pas. Non, mais je l'ai passé, voilà. Bon, bref, c'est fixe au téléphone. C'est la moindre des choses. C'est pas la moindre des choses, c'est que voilà. Bref, c'est fixe au téléphone, ok? Hop, je reprends, c'est bon. Ouais, vas-y, Angèle, écoute. Ok, c'est bon, ma moitié dehors dans le jardin et elle est sur le 7. Ah, le 7, ça fait canal. Ok. Elle doit te parler alors, peut-être ça marche. Ah, mais ça c'est l'écran, ça. T'es un micro avec l'écran, c'est bon. Ah, chier. Oh, oui, tu dois pouvoir le voir, Eric, parce que moi je l'ai depuis chez moi, je l'attrape. Ah, mais Philippe, mais tu vois, donc, mais il est équipé toi aussi, donc on peut se parler maintenant. Mais là, je l'ai dans les mains, là, et bon, il faudra que je vois Eric pour le programmer. J'ai un numérique et j'ai un analogique. Par contre, là, j'en veux à Stéphane, parce que là, je lui en veux. Parce que là, il m'a donné un virus, là.
Là, il m'a donné un virus parce que son petit truc, là, je vois comment ça marche avec un petit truc comme ça. Je sais pas si le prochain, ma femme est dehors, c'est bon, l'attends pas. Je sais pas si le prochain sera pas un truc un peu plus puissant comme il a chez lui. À toi, Stéphane. Le truc le plus drôle, c'est que ben, sur la CB, on peut faire la même chose. Hein. Il suffit tout simplement de basculer en FM. Donc, pas de matériel supplémentaire à acheter. Voilà tout. Enfin... Mais du côté CBI, par contre, eh ben, 0 euro, puisque le matériel, vous l'avez déjà. Il suffit simplement de basculer en FM. Ah, chie trois coups. Ouais, même à la maison, un truc comme ça, c'est sympa quoi, comme ça on peut s'appeler, c'est vraiment sympa quoi.
qui nous a dit de sortir du 7, tout à l'heure, vous n'avez pas entendu, que c'était une grève d'urgence. De quoi le 7 en PMR. Oui, oui, vous avez entendu que j'ai dit au gars, désolé, je passe en fierté, il y a quelqu'un qui nous a dit, vous êtes sur le canal 7, c'est une grève d'urgence. C'est vrai que normalement, c'est une grève d'urgence, mais... Donc, c'est pour ça que je suis parti. Bon, il n'y a aucune réglementation officielle qui affirme que tel ou tel canal est obligatoirement pour tel usage. De toute façon, pour avoir les bonnes informations là, à ce niveau-là, là, sur les fréquences PMR, il suffit d'aller sur le site du gouvernement. Hein. Et là, au moins, il y a l'exactitude des infos. Quoi. Ah putain, bon, tu me diras, mais je veux pas. C'est pas une petite que t'es fait, Eric, tu me connais. Hein. C'est ma radio à moi dégueulasse, tu m'as dit. Hein. Non, tu parais trop près. Là, par contre, c'est impeccable. Non, non, c'est vrai, t'as raison de me le dire, parce que j'y pensais plus. J'ai changé la pile il y a deux jours, je m'en étais pas au service. Il était toujours au maximum, comme la pile que j'avais avant était. Fatigué, je l'avais mis à fond. Là, je reviens à moitié, là, ça devrait être meilleur, ouais. Ah ouais, non, mais là, c'est super, la radio est magnifique. Angèle, retour. Angèle ! Ah, Angèle est parti, au revoir, Angèle ! Pardon, attends, j'ai pas compris. Oui, non, j'ai demandé à Eric de s'éloigner un peu du micro, parce que moi, c'est pareil, on a tous tendance, du moins, tous, mon avis personnel, on a tous tendance à bouffer les micros, tu vois. C'est du bruit cette alimentation, putain. C'est du bruit, hein. Je te dis, l'alimentation, c'est de la merde, hein. C'est à l'élevage de kilos, par contre, elle va pas chauffer. Par contre, après, sinon, à la rigueur, après confinement, on pourra trouver un petit disjoncteur de température. On peut le monter sur le truc et déclenchera quand il fait chaud. Mais si t'avais dit, sinon, après, si ça te convient pas, je t'ai dit, tu choisis et tu prends l'autre, hein. Mais non, Philippe, c'est pour t'emmerder, ouais, faut pas oublier Philippe. Philippe, retour à toi. Philippe, allô Philippe. Oui, non, mais je suis à l'écoute. Est-ce que j'ai le micro, Stéphane? En numérique, le canal d'appel numérique, s'il te plaît. En numérique? Attends, je suis pas carré, demandez à Eric. Eric est beaucoup plus intelligent que moi. En PMR, je la connais, mais en numérique, non. Demandez, Eric, tu connais mieux que moi? Oui, mais attention, les 16 canaux analogiques et les 16 canaux numériques, c'est pas les mêmes pour le numérique. Mais je te dis, il faudrait que tu prennes contact avec moi, comme je t'ai dit, Philippe. À part, si tu sais programmer ton poste, il n'y a pas de souci. Sinon, il faudra qu'on se voie après pour la programmation. Et sinon, tu vas sur le site, écoute-moi, PMR446. Tu vas sur leur site, tu vas voir. Et là, dedans, tu vas aller voir dans la rubrique numérique, BMR et tout ça numérique, et t'as tout... Ouais, c'est vrai que c'est un bon site. Hein. T'as les 16 canaux analogiques et les 16 canaux pour le numérique, voilà. Ok, Philippe ? Ok, Eric, oui, je peux dire que je prendrai contact avec toi, mais là, c'est pour faire de l'écoute, voir ce que ça donne en numérique, mais c'est que pour faire. Après, oui, je vais voir ça avec toi pour le programmer. Le seul canal que tu as pour le programmer, alors je te donne la fréquence, en numérique si tu veux m'appeler moi, c'est le 446-125. 446-125. Et t'as reçu? Ouais, c'est noté. Ouais, c'est noté en même temps. Ok, t'as impeccable. Ouais, c'est le DMR public, ça s'appelle. C'est le canal d'appel DMR public. 446-125, voilà. Mais en analogique, si ton poste n'est pas programmé, ça fonctionnera pas, hein, parce qu'il y a des slots, il y a des codes couleurs, il y a plein de choses. Et ça, quand on conduit pas, c'est trop compliqué. Sinon, tu m'appelles sur le 8 en analogique, le 446. Ah, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des sacrées notions d'informatique pour pouvoir utiliser ça, quoi. Pour ma part, j'ai testé, j'ai rien compris à la programmation. C'est-à-dire ? Bah, Eric, la connaît, hein, la ligne, tu vois ce que je veux dire, Eric ?
Oui. Moi, c'est la ligne que tu vas repasser, c'est la 3032. J'ai retiré. Actuellement, je suis sur une alimentation que quand j'aime à passer. On s'est rencontrés sur un parking de supermarché Perlili. Voilà, on était loin, écartés les uns des autres. On s'est pas rencontrés pour se filer le Covid-19, tu vois ce que je veux dire. Donc, il m'a passé la ligne que j'avais besoin, je crois que c'est une 2022. Et donc, la 3032, je vais la passer à Angèle pour la tester. Ok, Angèle, tu m'as compris, ok? Ouais, affirmatif, avec plaisir, y a pas de souci. On se verra, on se donne rendez-vous, y a pas de problème. T'as moins 600, y a aucun problème. Ouais, y a pas de souci. Mais c'est content, j'espère que ça peut convient, que ça marche. Moi, je te l'avais dit, c'est vrai que la modif que j'avais fait dessus, mais je crois que Philippe la connaît, parce qu'à l'époque, Philippe était venu à la maison, il avait vu, il y a une bonne alim, t'as de l'ampérage derrière. Problème, c'est que moi j'avais mis des ventilos parce que j'avais pas mis qu'elle chauffe. Au niveau des transistors de puissance à l'arrière, ben, elle ne chauffera pas parce qu'il y a un bon gros ventilo. Et au niveau du transfo, j'ai mis une bonne aspiration aussi, donc ce qui fait qu'elle ben, ne va pas chauffer. Mais par contre, son petit problème, c'est que voilà, elle est peut-être un peu bruyante. Oubliez pas l'hydro. Ouais. Ah putain, on a oublié l'hydro. Si on oublie l'hydro, putain. L'OM qui s'occupe du WZR, c'est Ludo, si on l'oublie, putain, là, y a pas rien. Et Ludo, retour à toi. Non, mais il y a pas de soucis, Ludo. Je regardais sur un site, TVR446, si je comprends bien, ce sont des conventions, hein, c'est pas une norme, les normes, hein. Jusqu'à 446 200, hein. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est juste, c'est pas des fréquences.